qui accueille Mille Pattes est ouvert depuis septembre 2012. Nous accueillons les enfants de Revigny et des secteurs alentours de 2 mois à 4 ans, du lundi au vendredi de 7h15 à 18h15. Nous proposons trois types d'accueil, l'accueil régulier, l'accueil occasionnel pour les besoins les plus ponctuels et l'accueil en urgence si nécessaire. Le tarif est fixé en fonction des revenus des parents, les couches et les repas sont compris. Nous pouvons accueillir jusqu'à 20 enfants maximum, divisés en deux groupes de 10 à 12 enfants. Nous sommes une équipe de 10 jeunes professionnels, diplômés, avec de l'expérience pour certaines en milieu hospitalier. Formés régulièrement, nous sommes dynamiques. 8 encadrants de CAP Petite Enfance et auxiliaires de puériculture qui s'occupent exclusivement des enfants. 2 agents s'occupent quotidiennement des repas, du linge et du ménage pour une hygiène irréprochable. Nous disposons de 2 grandes salles d'activité de 50 mètres carrés chacune et d'une salle de piscine à balles, parfaite pour l'éveil moteur des enfants. Les professionnels proposent des activités manuelles, peinture, collage, gommettes, découpage, lecture, chant et activités motrices. Depuis 2 ans, nous sommes formés à la langue des signes pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage ou langage. L'équipe est très accueillante, toujours souriante et puis avec papa on est très serein quand on laisse Elo à la crèche, on sait qu'il y a une super équipe, on leur fait confiance et Elo s'amuse bien, elle s'éclate, elle est heureuse d'arriver, quelquefois même elle boude avant de partir. Nous travaillons en partenariat avec le RAM, avec le CAMS, avec l'association Lire et Faire Lire, le foyer Pierre Didon, Synercop et les écoles de Revigny, dont l'école Jean Jaurès qui possède une classe passerelle. Les repas, très conviviaux, sont pris tous ensemble. La cuisine centrale de Revigny fait des repas et propose toutes sortes de textures, avec ou sans morceaux, avec ou sans viande, petits pots, repas anti-allergie. Les mamans peuvent aussi, si elles souhaitent continuer l'allaitement, nous ramener leur lait maternel. L'assiette se fait tous ensemble dans 3 petites chambres cocooning aux couleurs apaisantes. À l'écoute des parents et des enfants, la crèche s'adapte à chacun en les aidant à devenir autonomes, à s'éveiller, à partager. Cela reste une petite structure familiale et c'est vraiment notre force. Dans l'avenir, on se tourne vers l'écologie pour sauver notre belle planète. La crèche se veut propre tout en restant attentive aux besoins des enfants avec moins d'eau consommable et des produits moins toxiques. Nous sommes en cours de labellisation écolo-crèche avec des produits bio et des couches bio pour toute la structure, une première pour un multi-accueil sur notre territoire.